monde, j'espère que vous allez tous très très bien, comme vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature. Je suis là pour vous faire un unboxing à Amazon. J'avais besoin de henné, voilà. Et celui que j'avais utilisé la dernière fois, c'était de la Biocoop et j'en avais eu pour plus de 14€. Donc voilà, ça fait un peu mal le henné. Et j'avais envie de tester un petit peu ce site et voilà. Le henné était beaucoup moins cher, donc voilà. Donc, je vais ouvrir ça, j'espère que je ne vais pas faire trop de bruit. J'ai mes petits cartons en passant, violet, j'adore. C'est bien emballé, ça tient bien. Donc tout d'abord, ma coloration végétale. Donc j'ai repris un henné cuivré. Donc je le ferai sûrement ce week-end, c'est en français, tout est... Ça devrait le faire. Bon, bah, c'est scotché. Hein. Est-ce que je peux suiter quand même un petit peu? Parce que je sais pas si je ferai. Oh bah, j'en ai pour combien de temps là-dedans? Parce que là, j'en avais pour 6 et des bananes, je crois, de henné. Donc vraiment pas cher. Et là, je vois que j'ai plusieurs sachets quand même. 1, 2, 3. 4 sachets. Ils font combien chacun? 50 grammes. Donc normalement c'est 100 grammes je crois. Et encore, moi j'ai les cheveux très très fins. Donc la dernière fois j'en avais jeté la moitié. Clairement parce que bah, j'ai pas beaucoup de masse. Ils sont très fins. Voilà. Il y a de la longueur sans hein, non plus. Mais 4 sachets de coloration de 50 grammes. Il y a une charlotte dedans et une paire de gants. Donc il faudrait que je regarde combien. Mais je pense que là je vais en avoir pour un moment. Parce que il me faut pas une quantité de ouf. Donc c'est cool. Franchement, si la couleur me convient, ça va être top. Du coup, je me suis pris un petit bol en inox. Mes mélanges, mes mixtures, et je m'en suis pris un autre aussi à Action parce que la dernière fois j'étais pas équipée, je savais pas dans quoi faire mon mélange. Du coup, j'ai fini par découper au cutter une bouteille d'eau et j'ai fait mon mélange dedans. Mais bon, c'était des matériels. Je pense par la suite il va falloir que je m'achète un pinceau. Donc, voilà. Ouais, il est pas grand. Donc, je pense que celui que j'ai trouvé à Action est plus grand. J'utiliserai peut-être plus celui-ci pour faire mes crèmes ou mes masques. Voilà. Mais voilà, vous avez un petit bec farceur. Celui-ci était à 3,90€, je crois. Ensuite, je me suis commandé un contenant. C'est un contenant en mascara. Je voudrais me refaire un bain d'huile, l'huile de ricin, coco, voilà, pour mes sourcils et mes cils. Voilà, pour que ça repousse. Parce que là, je trouve qu'ils sont plus aussi longs qu'ils étaient, moins denses. Donc, il faudrait faire une petite cure. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ça. Ensuite. J'ai commandé une petite huile essentielle, donc là c'est au citron, tonique et purifiante, donc ça va me servir ne serait-ce que pour la désodorisation de la maison ou pour mes shampoings, mes crèmes, ma lessive. Je vais voir, mais je ne sais pas trouver si cher que ça. Ensuite, je me suis commandé un gel d'aloe vera. Voilà. Pareil, ça sera à utiliser donc, soit pour les cheveux, le visage. Enfin. Voilà. Donc, nutritif et réparateur. Là, j'ai pris un 30 ml. Donc, je vais tester déjà ça. Je verrai bien combien de temps je fais avec. Et je me suis pris un petit top coat. Top coat brillance. Mais bon, ils disent qu'on peut l'utiliser aussi en tant que base.
Mais il va plus me servir en tant que base. Je sais pas trop si la compo est bonne. Et bon, il me refallait une base. Donc voilà. Là j'attendais, je me suis enlevé mon vernis il y a quoi, 2 jours. J'attendais justement ma commande pour venir faire. Donc voilà. Petit top coat. Hop. Je crois qu'après c'est les... Non. Je me suis aussi pris un petit baume à lèvres. Donc à la coco. Donc voilà, là je suis arrivée au bout de mon labello. Et j'ai les lèvres extrêmement sèches en ce moment, mais j'ai peur que ça fasse pas forcément le job. Je pense que j'irai peut-être en pharmacie, parapharmacie, m'en trouver un bon. Faut que je regarde un petit peu à droite à gauche ce que je peux trouver comme avis pour en trouver un bon. Et sinon j'avais droit à deux petits catalogues gratuits dans ma commande, donc mes cosmétiques personnalisés, le maquillage, et mes cosmétiques personnalisés, les soins. Donc c'est cool, c'est ces deux là qui m'intéressaient de toute façon. Donc comme ça je vais voir pour faire des petits masques, j'aimerais bien pour me faire un contour des yeux. Enfin bon, je verrai bien. Après, voir un petit peu ce que ça donne au niveau des vernis à ongles. Mais bon. Donc voilà, un petit peu de lecture. Ils ont l'air d'être pas mal faits. Et donc non, j'ai pas de récapitulatif de ma commande. Voilà, un petit peu de lecture. Donc contente pour ma première commande. Mais moi, j'avais pas fait attention qu'il y avait autant de sachets là-dedans. Donc c'est cool parce que bon, elle est vraiment pas chère. Donc à voir ce que ça va donner. Je pense que je vais la faire ce week-end. Parce que là, j'en peux plus de mes cheveux blancs. Voilà. Et non, je pense pas que ce soit ma dernière commande sur le site. Je pense que j'essaierai pour la prochaine fois de me commander de quoi me faire une bonne crème. Mais bon, je vais attendre de finir celle que j'en cours. Mais ouais, je voudrais me faire une crème pour les yeux parce que je trouve pas ce qu'il me faut. Et même pour le visage, j'aimerais bien me trouver les produits adéquats à cumuler pour mes rougeurs, tout ça. Parce que je trouve pas que ma peau soit ouf en ce moment. Bon, la grossesse. Hein. Et aussi pour resserrer les pores, tout ça, parce qu'ils sont fort visibles, je trouve, et ça me dérange. Voilà. Donc voilà pour ma petite commande Aromazone. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà commandé sur ce site et ce que vous me conseillez. Et voilà, plein de bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.